Voilà les filles, aujourd'hui je vais vous présenter le kit de lissage de Jean-Louis Davy, les 6 semaines. Donc je vais tester ça pour vous, donc si vous voulez voir, continuez à voir. Dans ce lissage, on a... Numéro 1, une crème lissante. Numéro 2, une crème fixatrice de lissage. Et numéro 3, un soin nutrition et brillance. Je vais suivre la notice. Il faut que je sépare mes cheveux en 4. Il ne faut pas que ce soit des pinces métalliques. Donc j'ai utilisé des pinces en plastique. Un peu idiote, je vais mettre une serviette sur mes épaules. Donc sur la notice, il ne faut jamais que le produit touche le cuir chevelu ou la peau puisqu'il y a un risque de brûlure. C'est la crème numéro 1, la crème lissante sur tous les cheveux. Je peigne et je vais essayer de l'étaler au maximum ce produit. Il faut ouvrir un peu les fenêtres parce que l'odeur est assez forte. Donc je vais attendre 30 minutes et je vous reviens. Avec vos types de cheveux, ce que vous choisissez. Moi j'ai choisi de rester 30 minutes puisque les cheveux assez bouclés. Donc aussi il faut voir votre type de cheveux si vous voulez rester plus longtemps ou pas. Je viens de me rincer, j'ai gardé quand même mes gants puisque c'est quand même un produit assez toxique. À la fin des 30 minutes quand même ça me grattait un tout petit peu mais ça allait. Ensuite là je vais utiliser le kit de lissage, donc la crème fixatrice de lissage, le numéro 2. Avec les gants, on sait jamais. Je vais les rincer avec de l'eau, sans shampoing ni rien. Le produit, il est supportable, ça sent très très bon. Donc ce produit-ci, on peut les mettre jusqu'à la racine. Je viens de mettre la crème fixatrice de lissage. Donc ça adoucit quand même pas mal, il démêle pas mal les cheveux. Je vois par rapport à tout à l'heure que c'était un petit peu plus rêche. Donc je dois poser ça à 10 minutes. Ensuite, je vais utiliser la troisième étape, le soin nutrition et brillance. Ça prend 3 minutes et puis je tape, il y a juste à sécher et puis après je vais passer les plaques. Donc, sécher mes cheveux ou sèche-cheveux. Et donc pour l'instant, je peux sortir comme ça, j'ai pas de problème parce que évidemment j'ai quand même des plus grosses boucles et c'est un peu plus épais. Là, elles sont plus fines et... Donc j'ai plus de longueur, donc. Et donc je vais vous montrer ça de plus près. Utiliser le GHD, le simple en fait. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai acheté. Mais, déjà le GHC ça fait quand même les cheveux assez brillants. Donc je vais voir la différence, s'ils sont plus souples. Donc, pour l'instant j'aime le résultat, même si ça a quand même un petit peu abîmé mes pointes. Mais rien de... Je vais les couper un petit peu. À chaque semaine, les résultats, si ça dure longtemps ou pas, si c'est facile à lisser, si la brillance reste ou pas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la semaine où j'ai lissé mes cheveux. Donc, j'ai lavé 2 fois mes cheveux durant la semaine. La première fois, ça vient de passer et celle-ci, fin de semaine. Cette fois-ci, on est samedi. Le lissage s'est très bien passé, un peu plus facile que d'habitude. Mes cheveux sont très 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 raides, donc il faut voir fin de soirée si ils bouclent un petit peu ou pas. Ce soir, je vous annonce que c'est quand même resté raide, bien raide et souple. Les bouts sont quand même un peu bouclés. Oui, rien. En plus, j'ai un truc noir. Voilà, un peu bouclé, vous voyez. Oh, demain je vais sortir, je vais quand même repasser le fer. Donc devant mon visage c'est resté quand même raide. Je sais pas si vous voyez. Une semaine de plus sur le résultat. Donc aujourd'hui je vais en soirée. Donc j'ai fait quelques petites boucles pour changer. Le lissage était très facile comme d'habitude. Donc aussi parce que j'ai une nouvelle plaque qui est la GHD. Voici le résultat, ils sont bien brillants. Ça c'est sûr, facile, facile et voilà. La conclusion de ce kit, donc vous voyez ça m'a pas trop, ça m'a pas trop fait un truc extraordinaire. J'ai quand même des doutes les premières semaines, ça a quand même facilité le lissage,
c'est tout. Après, les Ridir, ça n'a rien fait. Donc pour ceux qui ont les cheveux un peu ondulés, peut-être que ça marche. J'ai les cheveux bouclés, donc je sais pas. Je vous ai dit que si ça marchait sur moi, donc ça marcherait sur vous. Donc là, ça n'a pas marché, ça n'a pas fait grand-chose. Ça a juste facilité le lissage les premières utilisations. Donc les 2 semaines, ça a raidi les cheveux? Non, ça c'est sûr que non. Alors 6 semaines, j'en doute. Et quand même, il me reste quand même la moitié des produits. Je ne sais pas si je les utilise, puisqu'en fait, comme je vous ai dit, ça m'a quand même un petit peu cramé les pointes quand je les ai utilisées, donc j'ai dû les couper. Donc voilà, donc ce kit, je suis mitigée à voir avec ceux qui ont les cheveux un peu ondulés. Mais en tout cas, pour moi, ça n'a rien fait de spécial. Vous avez bien vu ma masse de cheveux. J'espère que ça vous a aidé. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine.